Ok, il y a personne. Ce jeu de drogué. Je prends mon Xanax et ça va mieux. Je prends mon Xanax, ça va beaucoup mieux. C'est bon. Oh, il est là, il est là. J'étais en mode temps. C'est bon. On est safe. Bah ouais, mais il nous attend, quoi. Toi, tu as choisi ton personnage. Bah écoute, je vais prendre ça. Ah, la policière. Je pense que ça peut peut-être dissuader les individus suspects. Oh, je sais pas, je sais quoi pas du tout l'histoire. Ah. Ah bah c'était pour découvrir. Hein. Par contre, si les monstres c'est des PNJ, enfin tu sais, des JPEG, images, je vais éclater de rire. Des JPEG dégueulasses. Une attaque de JPEG. Alors bah, je sais déjà, pas le si JPEG, quoi, là, la manette. Il y avait un beau JPEG là déjà face à nous. Alors est-ce que je peux jouer avec la manette ou pas, tiens. Vas-y, essaye. Attends, déjà t'es pas là, je crois. Oh non, ça veut dire qu'on va te séparer. Ok, moi j'ai trouvé quelques flèches. Ouais, voilà, faut les suivre, je pense. Mais elles sont pas partout. Ah, oh putain, il y a une échelle là qui monte dans un. Non, mais en fait, toi, t'as déjà trouvé le niveau suivant, tu sais. Escabeau. Utilisez l'escabeau. Alors attends, j'essaye. J'ai trop. Peut-être qu'à mon avis, c'est pas vrai. Ça va t'amener un. Ah, là, je viens d'entrer dans une. Oh putain. Où est-ce que c'est que ce bail? Mais où est-ce qu'on est? Mais quelle idée d'aller dans les backrooms. Et moi, j'ai trouvé une flèche, meuf, et c'est tout. Hein. Y a plus d'autres flèches. Hein. Ah, ça y est. J'aime pas okay, les. Je suis donc à les bails comme ça où t'as pas un bruit. Oh, si, j'ai. Attends, j'ai l'échelle. Ah bah nickel, bah je suis aussi alors, à l'échelle pas. Là. Ouvrir. Ah, j'entends, je crois. C'est vrai? Mais t'es où? Bah si c'est pas. Si c'est pas toi, c'est flipper. Ok, j'ai rien dit, j'ai entendu des bruits de pas, mais si c'est pas toi, c'est craignos. Ah putain, j'ai peur. T'es. Attends, t'es monté dans le conduit ou t'es devant? Non, non, je suis monté dans le conduit là. Attends, je monte dans le conduit. Je le sens pas. En fait, ça se trouve, y'a plus. Oh! Non, c'est... Ah, c'est mieux! Je fais toujours cet effet là, mais c'est moi! Mais par colis, dis donc! C'est la alors, police! Par contre, excuse-moi, mais t'as une démarche de giga chat, je sais pas si sérieux j'ai la même. Attends, je vais essayer d'arriver, tu vois. Attends, tu vois? Ah oui! On dirait vraiment que tu vas me niquer en arrivant. T'as la même démarche! On dirait que t'es là pour casser des gueules quand même. Hein. Non, c'est pas rassurant. Alors, du coup, ok. Alors là, du coup, il y a un truc dans le. Dedans. Ah ouais. Ah par contre, ils ont... Ah si, ils ont traduit. C'est un humanoïde qui semble être fait de câbles. Pour une certaine raison, il a dit qu'il contrôlait la zone. Quand il est proche, l'environnement des pièces change. Il semble être attiré par les appareils électroniques et les fréquences radio. Donc quand vous êtes dans la même zone que lui, soyez vigilant. Vous ne voudriez pas attirer votre propre mort. Référence, l'équipe d'expédition qui a pris cette photo où figure une créature de câble est en train de rôder dans les pièces. Yes. Classe danger, identité, niveau 4. Ah oh, super. Donc, donc là, on a des câbles XLR qui veulent notre mort. Oui, c'est ça. Ah, attends, il y a un autre papier, là. Lire la note. En train de saigner, soignez-vous en buvant de l'eau d'amande. Ah, ça, récupérer eau d'amande. Ok, eau d'amande. Et oui, après, c'est dans ton inventaire. Ah ouais. De l'eau d'amande. Mais c'est un jeu Biocop ou... c'est quoi ce bordel? Par contre, ça dit que le mec, il est attiré par tout ce qui est onde et tout. Là, il y a des radios à prendre. Moi, je prends pas la radio. Hein. C'est peut-être pour l'attirer... Ouais, j'en prends une, mais... À mon avis, c'est pour l'attirer quelque part. Il faut lui balancer du lait d'amande, hein, à la limite. Ça peut peut-être devenir parce que bon. Ces pilules sont utilisées pour se calmer. Elles rendront... Allez hop, du Xanax. Ça part. Allez hop. Du Xanax et du lait d'amande. Vas-y, prends-en deux si tu veux. Vas-y, ah, il hein, fait flipper, là, celui sur la photo. Oh, putain. Ah, j'aime pas trop la tête qu'il fait, lui. Dans les plus sombres recoins, sur ces murs, abrite quelque chose de mystérieux, une espèce de sourire brillant. Ah, mais ça, c'est un... Comment on appelle ça? C'est une creepypasta, lui. Oui, je connais. Les cette rumeurs là, disent mais... qu'il y a un corps physique qui ne peut pas être vu par l'œil humain. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est attiré par toutes les sources de lumière. Et qu'il vous piège dans le vide des ombres et que vous ne le verrez probablement... Jamais la lumière. Souvenez-vous, un sourire ne flatte pas toujours la paix, ça peut être le contraire. Souvenez-vous, un... Oui, bon, il le dit deux fois, quoi. Oui, le mec. La photo suivante a été prise dans une zone plus sombre, dans une des zones plus sombres de la backroom.
classe danger d'identité niveau 2. Si on a la lumière, on risque rien techniquement. Lui, c'est dans les recoins les plus sombres. Oui, oui, c'est ce qui. Attends, c'est ce qu'ils disent là. Il est attiré par toutes les sources de lumière. C'est... Attends, je suis pas sûre. C'est pas du tout ce que j'ai. Oh, le pire flic, l'enquête. Bon, écoutez, alors du coup, il faut qu'on se cache dans un truc. Excusez-moi, c'est l'inverse, madame. Enfin, je. Oh putain, en moonwalk, c'est terrible. Attends, mais regarde. C'est le rendu est incroyable. Oh. Okay. C'est moi qui ai ouvert la. Tu vois, tu me dis que tu sursautes pas, mais en rien, tu fais sursauter là. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Attends, tu vas voir, là, je vais pas t'en dégueuler. Oh, il y a des chiffres. Je t'ai dit, il y a des énigmes, hein. Ça se trouve, il y a un bail comme ça. 1, 2, il y a des 4 partout par contre. 4, 4, 2, 2. Oh putain, si c'est du calcul mental, on est mal. Ah ouais, je suis une sombre nulos. Ah, il y a un ascenseur. Attends, j'aime pas 7, les ascenseurs. 3. Il y a écrit B. Oh bah écoute, c'est bon, on sort. Hop, étage. Oh non. Ah, c'est le. Il y a un code à 3 chiffres. Eh bien, ça doit être. Est-ce qu'il y a des chiffres qui ne sont pas en double, peut-être ? Ça doit être peut-être ça. Parce que là, le 1. Le 1 est tout seul. Le 4, il est en 2. Le 2, il est en 2 fois. Le 9, il est solo. Ah, il y a un papier ! À côté de l'ascenseur. Oh. Donc du coup derrière tu vois là. Alors faut voir ton hashtag. On a des hashtags. Ah oui. Tu vois. Mais est-ce que c'est celui d'en face? Mais de l'autre côté il n'y a pas de hashtag. Ici par contre. Non non. Mais justement. Donc ça doit être ceux qui sont. Ouais, ceux qui sont derrière ceux-là. Mais dans quel sens c'est? Est-ce que c'est ceux d'en face? De toute façon c'est simple. À mon avis il y en a pas à 10 000. Faut. Où est mon papier? 4, 9. 4, 9, 7, 7, et du coup, j'arrive. Et pour le dernier, ce serait dommage. 2, 2, let's go! Oh, c'était quoi la logique là du coup? En fait, c'était les chiffres qui étaient devant 1, 2, 3, 4, sauf qu'il y a des doubles 2 et des doubles 4. Donc si tu pouvais pas appuyer deux fois sur le même chiffre, sachant que tu l'avais sélectionné, ça voulait dire que c'était l'autre. Ah, tu vois ce que je veux dire? Ok, ok, ça c'est. Là. Je vais te filer ma casquette. Hop. Là par contre, là ça sent la merde. Bah en fait c'est surtout que si on a la même chose avec un truc qui nous poursuit, on est dans la merde. Oh là, là. Il y a des trucs qui s'allument et qui s'éteignent. Hein. Attends, moi je suis pas bien, moi tu sais les jeux d'horreur de la meuf. C'est ma spécialité mais j'aime pas trop. Ah ouais, j'aime pas trop. Ok. Bon là c'est sombre ici. Hein. Ouais, ça sent le JPEG. Hein. J'y vais pour. Ah, il y a encore une autre zone. Ok. Oui, c'est vrai qu'on a les anti-ophélies. Oh, oh. Bah tiens, alors. Prends du lait d'amande. Hein. On sait jamais. Gardez un œil sur votre endurance, cela peut éviter de mourir. Yes. Alors, assurez-vous de la gérer correctement. Ok. Il y a encore un papier. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh putain. Une créature très étrange a été repérée sortant des conduits des backrooms. Sa physiologie ressemble à celle d'un chien au trait humanoïde. On sait qu'elle est extrêmement agressive et dangereuse, mais elle est ennuyée par le bruit et un contact visuel direct l'intimide. Donc on s'y fout. Faut la fixer dans les yeux. C'est ça. Donc quand vous êtes face à elle, soyez intelligent. Des fois, la fuite n'est pas tant que ça. Ouais, mais tu fais comment si genre y a l'autre là qui est métallique qui te follow, puis elle que tu dois regarder, puis l'autre qui sourit sur le côté. Ah, faut pas qu'ils arrivent en même temps quoi. Du fait que la personne ait réussi à le prendre en photo de cette entité, le portrait qui suit a été généré par de nombreux témoignages. Oh, oh. Attends, t'as pas entendu un bruit? Si si. Oh putain, j'aime pas ça meuf hein. Moi je pense qu'on peut rester dans un coin et attendre. Voilà. J'ai pro. Comment mais ça? Mais t'as vu que le pro type c'est vraiment genre soyez intelligent. Mais yes. Oui, c'est ça. C'est toi ça? Non. Yes. Ouais, et bah là de toute façon, il va falloir qu'on avance. Hein. Oui. C'est tellement la phrase. En fait, on aurait dit un titan colossal, mais à quatre pattes. Arrête. Ça ressemble. Non, mais là, on va se prendre un truc. Oh, oh. C'est la porte qu'on a ouverte tout à l'heure, non? Ouais, ouais. Bah, je pense qu'on repart par là, quoi. T'as entendu? Oui. Oh, c'est comment t'as fait un truc? Il n'y a plus de bruit, surtout. T'as juste fait quoi? T'as juste fait. Attends, dans l'inventaire, là. Soit on leur jette du lait d'amande, des anxiolytiques ou la radio. La radio, comment on l'utilise?
Oula. Non mais toi tu cherches la merde. Mais non, mais parce que si, mais non. On sait pas ce qu'il y a en haut. On sait pas si lui il faut faire quoi. Il faut faire du bruit, le fixer dans les yeux. On est d'accord. Non, le bruit l'agace. Lui, bah c'est bien que ça l'agace, non? Ah, moi je pensais que c'était en mode justement, il vient vers nous parce qu'il y a du bruit, ça l'a saoulé, tu vois. Non, t'as peut-être raison. Alors c'est plus dans le sens, il fuit. Oh, je le sens mal. Bon, de toute façon, hé, c'est quoi? J'avance, suis la police. Il y a une porte là. J'ai peur, meuf. Oh, c'est pour se cacher. Attends, je peux me cacher avec toi? Il y a quelqu'un à l'intérieur. Oh putain. Ok, on peut pas se cacher à deux. Ok, attends. Ok, donc il faut qu'on repère où sont les. Oh. Là, il y a de la fumée, c'est chelou. Ah là, on passe pas dedans. Okay, pourquoi c'est rouge? La lumière devient pourquoi rouge. Pourquoi c'est rouge comme ça? Oh là là, ça c'est. Oh, il y a un bruit. On va crever. Bah en fait, c'est surtout, il faut qu'on trouve un deuxième casier parce que là, sinon, c'est les chaises musicales. Hein. Il y en a une qui passe. Attends, il y a une porte. Mais attends, regarde la lumière. Ah non, elle est encore rouge celle-là. Elle était déjà rouge. Ok. Pourquoi elle passe là, rouge, tu vois? Là, il y a une autre. On s'est séparés. Hein. Ah non, reviens. J'annonce. Bouge de temps en temps. Là. Là. Hop. Ici, là. T'as on du a Xanax. Pas une flashlight? Non. On a juste une radio. Oh! Putain, mais non, mais c'est juste l'ouverture du truc. Quelle angoisse. Ah! Une porte. Ah, bah ça, c'est bon signe. Hein. Dégagez! Ah, okay, bah là, on se fera pas leg. Allez, salut! Allez. Ah merde, on peut pas rentrer dedans! Merde! Oh, il y a une cassette de VHS! Et moi, j'ai récupéré un WAD. Et encore okay, des cachets. Ah, et du lait d'amande. Non, mais qu'est-ce qu'on va en foutre hein, de ce lait d'amande? Surtout le que là, vent, je après, suis hein, ça a peut-être vous ne pouvez pas barrière, porter. Hein. Je sais pas, j'ai plus de place moi. J'ai trop de lait d'amande sur moi. Les poches pleines de lait d'amande. Ok, c'est bon. Par contre, il y a des je bruits métalliques, je sais pas d'où ça sort. Mais c'est l'autre, le métal là. Je pense que c'est le mec métallique qui est attiré par les ondes radio et tout. Ok. Oh, il y a une télé là, pour la VHS. Attends, oh. Alors attends. C'est quoi ce bruit? Je sais pas, je m'évite le truc vite. Allez. Impossible d'allumer la télé pour le moment. Ah ben voilà. Tiens, t'as un ton Xanax là en bas. Une équipe de secours a été envoyée quelques instants après avoir reçu un signal radio. Malheureusement, lorsque l'équipe est arrivée au point de destination, elle a vu des cadavres. Au total, 9 corps ont été retrouvés. L'équipe a rassemblé tous les corps et les a entassés dans une pièce vide. Bah super. C'est vraiment bonjour l'odeur. Donc on va les trouver les mecs. Impossible d'allumer pour le moment. Les anomalies sont les suivantes. Ah, tenir. Lena Reynolds. Lena Reynolds. Ça me fait peur. Oh les images me font peur. Le sujet précédent était retrouvé sans œil. Yes. Jennifer Marley. Oh je le sens mal. A été retrouvé sans l'oreille. Imagine, il faut retrouver les morceaux. Marco, non mais je me demande par contre si on doit pas identifier. Donc Marco, il avait pas d'oreille, l'autre, elle avait pas de. Oh putain. Ah. Attends. Il y a de la fumée à côté de toi, hein, je veux pas dire, mais. Je me sens pas bien. Je me cache derrière toi, tu permets, hein. Ah ouais, parce que moi, pour moi, t'es devant moi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, c'est fini là? En fait, je pense que c'est le smiley ça. Ouais, là je l'avais ouvert, voilà, oh. Et j'y suis pas allée. Oh, ok, il y a une trappe qui s'est ouverte ici. On va tracer, okay. Hein. Ok. Y'a le mec qui sourit! Où ça? Au fond du couloir à droite! Cours! Dans l'autre sens! Ah putain! Ah, on fait. Vas-y, je t'en prie. Non, vas-y. Attends, mais il y a deux. Ouais, y en a deux, si jamais c'est pas grave, tu peux prendre celle-là. Ah, et je pense qu'on est. C'est bon, il était de loin. Ok. Ah, on me dit c'est celui à quatre pattes le conduit. Oh bah yes. Bon alors, du coup, là on sait qu'il y a un casier ici, à la sortie ouais. De la porte. Et il y en a un là au fond à gauche. Voilà, au fond à gauche. Donc il faut. Ouais, ok, ça marche. Alors. Ok. Il bon, putain, il est encore là-bas. Allez, moi. Bon, vas-y, moi je vais au fond à gauche. Tu veux. Ok, j'attends de voir s'il approche. Je vois. Ah non, j'allais dire, je vois un peu flou quand je cours, c'est chelou. Oh, tu vois pas un peu flou quand tu bouges ta caméra? Si, 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 si. Je vais me cacher. Putain, je vais me cacher. Je vais prendre un Xanax, ça me fera du bien.
Tu sais que ça se trouve, faut prendre notre truc pour se calmer, hein. Alors attends, ouais, mais est-ce qu'on peut le prendre dans le... Non, je peux pas le prendre dans le casier. Ok, je sors, je l'avale. Je prends le Xanax et je retourne à l'intérieur. Mais je sais plus ce qui... Moi je peux pas, hein, parce que si je sors là, il me graille, hein. C'est bon, ça va mieux, je vois moins flou. Ok, y'a personne. Ce jeu de drogué. Je prends mon Xanax et ça va mieux. Je prends mon Xanax, ça va beaucoup mieux. C'est bon. Oh, il est là, il est là. Ah, putain. J'étais en mode... C'est bon. On est safe. Bah ouais, mais il nous attend, quoi. Mais qu'est-ce qu'on fait, d'ailleurs? C'était quoi, le truc pour le faire fuir, ce con? Faut pas lui jeter du lait d'amande. Mais qu'est-ce qu'on fait? Si on lui passe au travers, il peut nous faire du mal? Ah bah je pense qu'il est pas très... Oui. Ah, on me dit quand il y a des trappes ouvertes, il faut les fermer. Allez. Adieu. Attends, j'arrive vers toi. Allez. Je regarde le sol. J'ose pas bouger. Il me tape. Attends, cours. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'était? Je l'ai pas vu, hein. J'étais alors, je pense que c'était le monstre câble. Ah ouais? Il était genre noir, en mode fil un peu et tout? Ouais, ouais, mais ça fait une espèce de bruit d'ouverture de porte. Ça fait un vieux truc, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Il m'a mis une gifle, il va falloir que je prenne du lait d'amande. Hein. Ouais, mais t'en as normalement, hein. t'en as pas mal. Ah, apparemment, bon. On me dit que c'était le smiley. Il m'a mis une gifle. Ah bon, ça c'était... Mais non. Moi j'ai vu un truc avec des câbles. Attends, je bois un peu de lait d'amande, ça va aller beaucoup mieux. Ah c'est bon, je ne saigne plus. Ok. Non mais... Ok. Besoin de... Oh meuf. Mon seul moyen de lui sauver la vie, c'est vraiment de me barrer comme un chien et de... Je tourne la tête, il est là, le con. Attends, et si on ferme la porte? Mais je sais pas de quel côté il est, moi, c'est bien le problème. Attends, je sors. Ok, je sors aussi. Okay. J'entends des conduits. T'es où, toi? Là. Ok, vas-y. Ok, j'y vais. On ferme la porte derrière nous? Ouais. Et moi, je ferme cette porte-là, à gauche. Vas-y. Mais par contre, on a plus de casier, hein. Non, non, bah oui, il m'a foncé dessus. Par contre, il y a... C'est quoi, là, au fond? Mais quoi, cette merde? Je sais pas, on y va? C'est quoi, ça? Qu'est-ce que... Ah non, mais c'est pas que c'est un truc à rotate, tu sais, pour faire un dessin, interagir. Genre. Si, c'est ça. Oh, il y a deux casiers, si jamais, tout pile là où on est. Hein. Il y a une note à lire. Avez-vous vu la silhouette? Mais elle regarde vers la D. Qu'est-ce qui cloche? Vers la D. Drogue. Encore, on y revient. Les médicaments, tout ça, tout ça. Il y a une trappe juste là. J'ai trop peur que la trappe s'ouvre. Mais après, on s'en fiche. On court dans les casiers, hein. Oui, c'est ça. Oh, oh, c'est un cheval, regarde. J'arrive à faire le truc. Ah oui. Ah oui, oui, c'est un cheval. Faut juste le foutre dans le bon sens, maintenant. Oh là là. Belle bête, hein. Mais dis donc, bel animal, hein. En perspective, ça donne quoi? C'est pas dégueulasse, là? Beau destrier. Si je pense qu'il faut être un peu en face, mais non, ça a l'air d'être pas mal. Vas-y. Ah, c'est pas totalement aligné. Un peu vers le haut. Ah, ça y est. Alignement. Parfait, du canasson. C'est beau, hein. Ah, c'est... Putain, mais c'est quoi ça? on est mortes les deux. Il est partout, oui. Non, on n'est pas mortes les deux, il est partout. Passe la porte. T'as passé la porte. Ça y est, il était dans l'autre sens. Je me suis mis dans un... Il m'a buté, je suis en spectate. Oh non. Attends. Suivez les battements de cœur et trouvez la porte lumineuse pour ressusciter. De ma gueule, je pense que c'est un des deux. Hein. Ça y est. Oh non, mais là, c'est plus la merde du coup. Ava? Pourquoi? Parce que je suis revenue là où j'étais tout à l'heure. C'est-à-dire? Bah, je suis à côté de toi. Cheval. Ah, t'es à côté? Oui, mais je suis là, oui, je suis dans le casier. Va je... Donc ça s'ouvre pas. Ah, si, je suis passée à travers. What? Ouais, j'ai réussi à enfoncer. Ah oui, moi aussi. C'est que le tour Oh! Let's go! Tu la loot? Okay. Non, je regardais ce qu'il y avait dans les autres. Hop! Ah, tu l'as toi ou c'est moi qui l'ai? C'est toi qui l'as. Toi qui l'as pris, du coup, c'est à toi de tout fermer. Hein. Ah, et là, il faudra mettre des aiguilles. Regarde. Ouais, c'est ça.
J'espère qu'il ne peut pas rentrer dans la pièce, là, Michel. Là, derrière toi. Alors, hop. Ok. Putain. Il a ouvert la porte. Hein. Hop. Ça s'est fermé. Ça s'est fermé. Oh. Voilà. Ok. Ensuite, à droite. Je referme les portes derrière nous ? Ouais, vas-y. Ok. Ok, une trappe. Je ferme. J'aime pas ce que j'en fais. Putain, il fait bien nuit là-dedans. Oh putain, il y a un mec mort. Monsieur ? Ah, les papiers, hein. Comment ça, les papiers ? Est-ce que c'est le moment de lui demander des papiers, ouais, là ? Ouais, bah, prends les contrôle d'identité, monsieur. L'endroit qui suit est entièrement radioactif, donc si quelqu'un veut entrer, une combinaison de protection est requise sur... Eh ben on lui prend, hein. Sinon, les radiations pourraient tuer... Il y a une porte verrouillée qui ne s'ouvrira que si les radiations de la pièce sont à faible niveau. Pour ce faire, un extincteur de classe D est requis. Il n'éliminera pas les radiations que pour une courte durée, environ 3 minutes. Source de radiation, certains objets de la pièce sont contaminés. Mais quel enfer ! Mais oui ! Non mais utilisez un compteur GGR pour vérifier lesquels parmi eux sont les sources de contamination. On n'a pas que ça à foutre, quand même. J'ai envie de rentrer, hein. Dire qu'on était là pour prendre des vacances. Vladipo, on se retrouve. Oh là, voilà. Qu'est-ce que... Qui est vraiment un Airbnb, mais de mauvaise qualité. Hein. Je lui mettrais deux. Ah, je suis là. Ah, vraiment, le nettoyage dégueulasse. Dégueulasse, ça me dégoûte. Ok. Oh là, ça. Dès que je vois que c'est un peu trop sombre, je me sens mal. On est passé par là ou pas ? We'll be right back.